عادات ونفرق يا شباب او بيدخلين دول جديد. في البيرو في البيرو بيرو نحب نعرف اللي هنا هذه بركي هم تطيسي نعم يدي مش كدير بارتاج خليته صحيح الوجود تحدد بك مقبل ما دير بعد بارتاج ديك يعني سجن الصوت برك بارتاج بقى مسيو الو نبدا Alors, bonjour tout le monde. Monsieur, ben ma table, s'il vous plaît, on s'excuse pour le petit retard lié à un petit problème technique. Allô. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, Monsieur, on va essayer aujourd'hui de faire le paramètres, pas le son. Concernant les réflexes spinaux, donc les réflexes médulaires, comme d'habitude. On va faire une petite introduction. Pardon. Donc, avant de commencer, on va parler un peu de tout ce qui est contrôle moteur par les centres supérieurs et inférieurs. On commence par les niveaux hiérarchiques du contrôle de la motricité. Vous savez que le premier niveau, c'est au niveau médulaire. Ça concerne le système somesthésique avec un contrôle moteur épinière. Donc, c'est l'arc réflexe qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, un système somesthésique qui fait connexion avec le système moteur, connexion directe au niveau médulaire, et ça va générer ce qu'on appelle les réflexes spinaux. Le deuxième niveau, donc le niveau intermédiaire, c'est le tronc cérébral, les noyaux gris de la base et le cervelet. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le plus haut niveau sur le plan hiérarchique, c'est le cortex moteur. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à ce niveau, moelle épinière et tout ce qui est récepteur somesthésique et le tronc cérébral. Donc, on commence par définition des réflexes spinaux, des réflexes médulaires. Donc, les réflexes médulaires, c'est quoi? C'est tout simplement des réactions inconscientes, involontaires et stéréotypées de l'organisme suite à une stimulation, la plupart du temps, de nature nociceptive. Donc, c'est très simple. Si on prend, par exemple, un animal spinal, donc... On détruit tout ce qui est structure supérieure, cerveau, cervelet, etc. On laisse que la moelle épinière. Donc, grenouille, chat, n'importe. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, suite à des stimulations de nature nociceptive, on a constaté que l'animal donc, fait des réactions, donc, sous forme de mouvement du membre ou de la patte stimulée. Donc, ces réactions se répètent d'une façon stéréotypé, c'est-à-dire de la même façon. Suite à la même stimulation, on a toujours la même réaction. En général, c'est une réaction de flexion. Donc, d'une façon stéréotypée, inconsciente, bien sûr, parce que... Inconsciente, tout simplement parce que on a détruit tout ce qui est centre supérieur, et la même chose, involontaire. Donc, ça, c'est, par définition, c'est quoi les réflexes médulaires. Le son, ça va? Vous m'entendez? Est-ce que ça va? Il n'y a pas de problème? Très bien. Donc,
on passe à l'organisation générale de l'arc réflexe médulaire. Donc, d'une façon générale, quel que soit le réflexe, il y a toujours une voie afférente et une voie efférente avec un centre nerveux qui est un centre réflexe. Donc, la voie afférente, il y a toujours le récepteur. Le récepteur qui capte la stimulation, qui transforme cette stimulation en potentiel d'action, signaux électriques, qui seront véhiculés par une voie afférente vers un centre d'intégration. Un centre d'intégration. Et à partir de là, donc, vous aurez une réponse véhiculée par une voie efférente, dans ce cas motrice, vers un effecteur, c'est le muscle, et vous aurez une réaction. En général, c'est une contraction musculaire. Donc, ça, c'est l'organisation générale d'un arc réflexe. Maintenant, on passe à la classification des réflexes. Les réflexes sont classés de plusieurs façons. Ce qui nous intéresse, bon, classiquement, on les classe. Bien sûr, ces récepteurs font partie des récepteurs somesthésiques. C'est les mêmes récepteurs somesthésiques. Et on va voir les détails après. Hein. Donc, ce sont les récepteurs somesthésiques, bien sûr. Et on va voir les détails après pour chaque type de réflexe. Donc, classification des réflexes. Donc, là, il y a plusieurs types de classification, mais ce qui nous intéresse le plus, donc, c'est cette classification, c'est généralement, on les classe en deux, les réflexes proprioceptifs d'étirement, c'est la réponse musculaire à son propre étirement, et le réflexe extéroceptif, ou si vous voulez, ipsilatéral de flexion. Donc, ça, c'est pour la classification, rapidement. On commence par détailler le réflexe myotatique. Par définition, un réflexe myotatique ou le réflexe d'étirement est la contraction des muscles suite à son propre allongement. C'est-à-dire, vous prenez un muscle, dans l'expérience de Sherrington, donc, généralement, on prend un chat, on détruit tout ce qui est centre supérieur, le cerveau, etc. Donc, on laisse que la moelle épinière. Donc, on parle de l'animal décérébré, donc, qui n'a pas de contrôle volontaire sur la motricité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a dénudé un muscle. Donc, on enlève la peau, tout ce qui est... Et qu'est-ce qu'on a fait? On laisse le muscle innervé par son innervation motrice et sensitive normale. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un étirement du muscle. Voilà. C'est, l'étirement est représenté en T. Donc, ça, c'est les points. Comme ça. Donc, ça, c'est l'étirement. Donc, on commence l'étirement ici. Ça, c'est seconde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanogramme qui enregistre la tension. Donc, dans ce sens, c'est le temps et on enregistre la tension musculaire grâce à un mécanogramme. Donc, suite à un étirement, donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une tension qui se développe donc, et qui suit le niveau de l'étirement. Donc, plus on étire, plus la tension se développe. Si on maintient l'étirement, le même étirement, donc on constate qu'il y a la même tension. OK? Ça, c'est dans un premier temps. Je ne sais pas comment copier le son. Hein. Je vois comment. Participants. Donc, il y a trois qui sont mis. C'est bon, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème de musique derrière, tout va bien. OK, donc on continue. Donc, suite à un étirement, donc, vous avez remarqué qu'il y a une tension qui se développe représentée en M. Donc, tant qu'on maintient le même niveau d'étirement, les réflexes médulaires, le titre. Donc, c'est le même niveau, donc on aura la même tension qui se développe. Si on arrête brutalement l'étirement, donc la tension s'arrête brutalement. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va couper
soit l'innervation motrice, enfin on commence par couper la racine antérieure, puis couper la racine postérieure, et on ramène notre chat décérébré, on coupe les deux. Donc, quelle que soit la situation, donc, si on coupe la racine antérieure ou la racine postérieure ou les deux, donc, dès qu'on étire le muscle, donc, on a une petite tension qui se développe et qui se maintient, bien sûr, mais vous remarquez qu'il y a une grande différence entre la tension sans couper les racines antérieures, postérieures ou même le nerf rachidien et après section. Donc, il y a une grande différence entre les deux courbes. Donc, cette tension, donc, suite à une section de la racine antérieure, postérieure ou de l'ensemble du nerf rachidien, donc, est tout simplement liée à l'élasticité du muscle. Alors que le premier étirement déclenche une tension très importante liée à quoi ? Liée à l'étirement, donc à l'arc réflexe. Pourquoi on a dit arc réflexe ? Parce que si on coupe la racine antérieure, donc il n'y a pas cette tension. Si on coupe la racine postérieure, la même chose, on n'aura pas cette tension. Si on coupe les deux, on n'aura pas cette tension. Donc ça nécessite les trois éléments, racine antérieure, racine postérieure et centre médulaire. Donc ça, c'est pour la mise en évidence. Les caractéristiques, donc c'est un réflexe localisé. C'est-à-dire, si on étire le biceps, donc il n'y a que le biceps qui se contracte. Si on étire le triceps, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'autres muscles qui se contractent à part le muscle étiré. Donc, ça, c'est la première propriété qui est localisée. Deuxième propriété, c'est un réflexe monosynaptique. Bon, l'expérience qui montre que c'est un réflexe monosynaptique, donc c'est une expérience qui va nous prendre beaucoup de temps. L'essentiel, en sachant que le délai synaptique, c'est-à-dire entre la libération du neurotransmetteur, fixation du neurotransmetteur et déclenchement d'un potentiel postsynaptique, c'est 0,5 millisecondes. Ça a été prouvé par certaines expériences, donc on n'aura pas le temps de les faire. Donc, et on a constaté que le réflexe myotatique est de l'ordre de 0,6 à 0,7 max millisecondes. Donc, c'est un réflexe qui nécessite une seule synapse, donc une seule connexion synaptique. Et c'est un réflexe qui ne présente pas de poste de charge. Donc, gardez ça en tête. Je vais vous expliquer après c'est quoi la poste de charge. Donc, ne présente pas de poste de charge. Je vais vous expliquer tout ça après. Et c'est un réflexe non fatigable. C'est quoi non fatigable? C'est-à-dire, tant qu'il y a la stimulation, il y a toujours une tension qui se développe suite à la stimulation. Donc, ça, c'est les quatre propriétés du réflexe myotatique. Alors, organisation. Pour le réflexe myotatique, l'organisation est très simple. C'est un arc réflexe qui est très simple. Donc, on a toujours un récepteur, une voie afférente, un centre d'intégration médulaire et une voie efférente, donc vers le muscle. Donc, l'organisation. Donc, on commence par détailler un peu tout ce qui est récepteur. Le récepteur du réflexe myotatique, c'est tout simplement le fuseau neuromusculaire. Alors, c'est quoi le fuseau neuromusculaire? C'est tout simplement une structure réceptrice spécialisée au niveau du muscle. Au niveau du muscle, il y a des récepteurs en forme de fuseau. Ce fuseau neuromusculaire est constitué par certaines fibres dites intrafusales. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les fibres intrafusales. Ce sont tout simplement du tissu conjonctif enroulé avec des fibres nerveuses de type 1-1. Donc, dans l'innervation qui reçoit une innervation motrice sensitive, attention, l'innervation sensitive donc, provient des fibres 1-1. Non, la stimulation du réflexe médulaire, donc le réflexe myotatique est toujours lié à ce qu'on appelle un étirement du muscle. Donc, on ne peut pas avoir un réflexe myotatique suite à une piqûre ou brûlure. Donc, si on étire le muscle, donc vous aurez le réflexe myotatique. Il n'y a pas d'autre stimulation qui provoque le réflexe myotatique. Bien sûr, la piqûre ou la brûlure provoque d'autres types de réflexes qu'on va les détailler après. Donc, je reviens à la structure du récepteur. Vous avez les fibres dites extrafusales qui sont tout simplement les fibres musculaires contractiles. Vous avez les fibres intrafusales qui sont
le récepteur neuromusculaire, donc le fuseau neuromusculaire, qui est innervé par une innervation sensitive formée par ce qu'on appelle les fibres 1-1. Donc, c'est des fibres 1-1 qui s'enroulent au centre donc, pour donner la région réceptrice. Mais attention, les extrémités du fuseau neuromusculaire sont des extrémités contractiles, c'est-à-dire qui ont des propriétés contractiles, donc contiennent ce qu'on appelle la myosine, l'actine, etc., tout ce qui est protéines contractiles, et qui sont innervées par ce qu'on appelle le motoneurone gamma. Le motoneurone gamma qui innerve les extrémités, alors qu'au centre, il y a une innervation sensitive de la part des fibres 1-1. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, j'ai pas compris, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Donc, vous pouvez, si vous voulez, poser des questions directes. Hein? Donc, l'application clinique, donc, je reviens. Donc, ça, c'est la structure du récepteur. Donc, le récepteur est situé au niveau du muscle. Donc, c'est les fuseaux neuromusculaires qui sont innervés par des afférences sensitives. Vous avez le centre médullaire. Puis, au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière, il y a ce qu'on appelle le motoneurone alpha. Un motoneurone dit alpha, qui innerve les fibres musculaires, attention, extrafusales. Donc, le motoneurone alpha qui innerve les fibres musculaires intrafusales, qui n'est pas, malheureusement, n'est pas représenté ici, ni ici. Ça, c'est le motoneurone alpha, en forme d'étoile, en vert. Donc, je vous explique c'est quoi le motoneurone gamma. C'est un motoneurone qui est localisé au niveau de la corne antérieure, de même que le motoneurone alpha. Ça, c'est le alpha en vert et en gris, en mauve. Donc, ça, c'est le motoneurone gamma. Le motoneurone alpha innerve les fibres musculaires extrafusales, c'est-à-dire le muscle, les fibres musculaires que vous connaissez, alors que les motoneurones gamma innervent les extrémités qui sont contractiles du fuseau neuromusculaire, qui est le récepteur du réflexe myotatique. Donc, alors que les fibres 1-1 qui s'enroulent dans le centre forment quoi? Bien sûr, s'enroulent dans le centre du fuseau neuromusculaire. Donc, ils ne sont pas représentés ici. Donc, normalement, il y a du rouge qui part comme ça. Forment la voie afférente, forment cette voie qui est représentée en orange là. Donc, forment cette voie qui est les fibres 1-1. Donc, 1 en romain et A, donc, parce qu'il y a la classification des fibres selon la vitesse de conduction. Donc, pour Travis Scott, donc, il n'y a pas de fibres bêta, il y a les gamma, les motoneurones gamma et les motoneurones alpha. Je reviens, le motoneurone gamma innerve les extrémités contractiles du muscle, alors que le motoneurone alpha innerve du fuseau neuromusculaire, alors que le motoneurone alpha innerve les fibres extrafusales du muscle. Je répète, le muscle est constitué par 10 fibres. Je reviens à zéro. Hein. Donc, le titre, c'est les réflexes médullaires. Donc, je reviens à zéro. Donc, vous avez le muscle qui est constitué par des fibres, beaucoup de fibres extrafusales. Donc, c'est ce que vous mangez, c'est la viande, tout ce qui est en rouge là. Donc, les fibres extrafusales, donc, qui sont innervées par le motoneurone gamma, alpha. Donc, en vert, là, représenté en vert, c'est le motoneurone alpha qui innerve les fibres extrafusales. Alors, à l'intérieur des fibres extrafusales, on trouve un récepteur. Ce récepteur est dit fuseau neuromusculaire parce qu'il est en forme de fuseau. Ce fuseau neuromusculaire a une région centrale renflée, donc comme un fuseau. Donc, cette région centrale est entourée par une innervation en forme de ressort comme ça et qui est tout simplement l'extension des fibres 1-1. L'extension des fibres 1-1 qui vont former ce qu'on appelle la voie afférente. Alors que les extrémités du fuseau neuromusculaire sont innervées par le motoneurone gamma, un motoneurone au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière qui s'appelle le motoneurone gamma. On va voir le rôle du motoneurone gamma
après. C'est-à-dire que les extrémités contractiles des fibres intravisuelles se contractent plus que les extravisuelles. Non, regardez, attendez. Donc, la contraction musculaire est essentiellement assurée par les fibres extrafusales. Et après, vous allez voir le rôle des fibres, des extrémités contractiles des fibres intrafusales. Donc, pour Romaïssa, donc vous allez voir après le rôle des fibres, le rôle des extrémités contractiles des fibres intrafusales. Je reviens à vous, Romaïssa, après. Donc, c'est quoi un, je viens de le dire, c'est les fibres. Attention, ça nous prend beaucoup de temps. Hein. C'est les fibres qui forment un ressort comme ça qui entoure la région centrale du fuseau neuromusculaire. Et les fibres alpha sont tout simplement les motoneurones alpha qui innervent le muscle, c'est-à-dire les fibres extrafusales. Et bien sûr, les alpha constituent des plaques, beaucoup de plaques motrices. Donc, beaucoup de fibres alpha. Donc, chaque muscle est constitué de plusieurs milliers de fibres musculaires. Et chaque fibre musculaire, qui est la cellule musculaire, va faire une connexion synaptique avec des ramifications des motoneurones alpha. Et bien sûr, le motoneurone alpha, lorsqu'il se ramifie, les extrémités forment ce qu'on appelle les boutons synaptiques. Et ces boutons synaptiques vont faire connexion avec les fibres musculaires, ce qu'on appelle les plaques motrices. Donc, au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc, je reviens à votre question après, monsieur plein de symboles, je ne sais pas si qui. Donc, l'application clinique. Donc, attention, le réflexe myotatique est très important en clinique. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous allez faire la neurologie l'an prochain, donc la simulation neurologique et la neuro en quatrième année, donc vous allez tester les réflexes. Et quel type de réflexe? C'est les réflexes myotatiques, tout simplement, qu'on va les appeler en troisième année et quatrième année, réflexes ostéotendineux. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement tapoter, par exemple, un tendon qui va étirer les muscles quadriceps dans ce cas. Donc, l'étirement de ce muscle provoque sa propre contraction par l'arc réflexe myotatique qu'on vient de le faire ici. Donc, comme le chat décérébré. Donc, attention, ça, c'est de façon très simple. Donc, arc réflexe myotatique, en réalité, c'est plus compliqué. Donc, on tapote ici, on étire le muscle quadriceps qui va provoquer la contraction du même muscle par un réflexe myotatique simple. Mais attention, il y a une autre voie qui provoque le relâchement des muscles antagonistes. On va détailler tout ça après. On va voir le rôle du motoneurone gamma après. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer après. Donc, maintenant, on passe au réflexe ipsilatéral de flexion. Par définition, ce sont des contractions réflexes des muscles suite à une stimulation. La différence, c'est la stimulation et le récepteur. Suite à une stimulation nociceptive, c'est-à-dire piqûre, pincement, écrasement, brûlure, application d'une substance chimique, acide, etc. Donc, appliqué au tegment de ce membre. Donc, la mise en évidence, ça a été très simple il y a bien longtemps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, grenouille décérébrée. Donc, on stimule la pâte du grenouille avec une solution acide. Donc, à chaque fois, vous aurez une contraction de la pâte. Mais attention, cette contraction dépend, l'intensité de la contraction dépend de l'acidité. C'est-à-dire, cette substance acide, donc, plus la substance est acide, plus la contraction est importante. Donc, on commence par un petit mouvement, donc, d'un côté, puis un mouvement important de plusieurs groupes musculaires fléchisseurs de la patte stimulée, puis extension de l'autre patte, et même après certaine intensité de stimulation, il y a flexion du quatre membres. Donc, c'est en fonction de l'intensité, de la concentration de la solution acide. Attention, cette fois-ci, on a dit que, regardez par définition, c'est une stimulation nociceptive appliquée au tegment, c'est-à-dire au niveau de la peau, tout simplement. Okay? Donc,
Et ça implique les nocicepteurs. Donc, ça implique les nocicepteurs et principalement les nocicepteurs polymodaux. Donc, ça implique les la peau et les nocicepteurs. Et cette contraction, attention, donc, s'effectue. Donc, plus la concentration augmente, plus la contraction est importante et implique d'autres muscles. Donc, les caractéristiques, bon, c'était si simple. On a utilisé l'acidité pour simplement, donc, c'est la première expérience qui a été faite, donc, il y a bien longtemps, hein, il y a plus d'un siècle. Donc, pourquoi l'acidité? Parce que ça nous permet de contrôler l'intensité de stimulation. Donc, c'est la même chose que lorsque, je ne sais pas si vous l'avez essayé, une brûlure par une substance caustique telle que, par exemple, une pompe lacrymogène, projection d'une pompe lacrymogène. Donc, ça va provoquer une brûlure chimique. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on utilise une substance chimique acide donc, pour simplifier le contrôle de l'intensité de stimulation. On peut utiliser des stimulations électrique, par exemple, maintenant on a la possibilité d'augmenter l'intensité ou diminuer l'intensité en fonction des besoins. On ne peut pas utiliser une stimulation, par exemple, sous forme le feu, par exemple, parce que c'est difficile à contrôler l'intensité. Donc, je reviens à l'acidité tout simplement parce que on peut contrôler l'acidité, c'est-à-dire on peut contrôler le pH. Donc, c'est tout simplement, maintenant, on peut utiliser les stimulations électriques qui sont parfaitement contrôlables de nos jours, donc il n'y a pas de problème. Les caractéristiques, c'est un réflexe dit diffuse par rapport au réflexe mutatique, c'est un réflexe dites localisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va faire intervenir plusieurs groupes musculaires. Donc, vous voyez ici, donc, on stimule avec une intensité faible. Vous voyez, il y a une petite contraction d'un muscle. Mais attention, plus on augmente l'intensité de stimulation, c'est-à-dire l'acidité, donc il y a d'autres groupes musculaires qui participent à la contraction pour le retrait de l'ensemble du membre inférieur, ou si vous voulez, de la patte de l'animal. Donc, c'est pour ça. On parle de réflexe diffuse. Donc, plus l'intensité de stimulation augmente, plus vous aurez d'autres groupes musculaires qui participent à ce réflexe. C'est un réflexe dit polysynaptique. Donc, ça, c'est une question très importante parce que, tout simplement, ce réflexe prend beaucoup de temps. Donc, ça va prendre 2-3 secondes. Donc, c'est l'équivalent de 6 connexions synaptiques, à peu près 6 à 7 connexions synaptiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réflexe polysynaptique, parce qu'on a calculé par des expériences qu'on n'a pas le temps de les faire aujourd'hui, malheureusement. Donc, on a trouvé que ce réflexe prend 3 secondes. 3 secondes sur 0,6, 0,5, 3 millisecondes. 0,6, 0,5 millisecondes, ça va faire 6,05. Donc, ça va faire 6 synapses. Donc, polysynaptique, beaucoup de synapses, et présente un post-décharge. C'est-à-dire, ce réflexe, donc après stimulation, surtout de très forte intensité, le mouvement de flexion persiste même si la stimulation, la stimulation disparaît. Donc, même s'il n'y a plus de stimulation, donc il y a ce réflexe. Donc, ça, c'est l'amplitude de la flexion. Donc, suite à une stimulation faible, stimulation plus intense, une stimulation très intense. Vous voyez la durée de réaction. Donc, suite à une stimulation faible, donc il y a une petite, donc la durée est courte, mais après une stimulation plus intense, donc la durée augmente. Et si on utilise une stimulation très très importante, donc vous aurez une durée du réflexe qui dure plus longtemps. Donc ça, c'est le temps de la stimulation. Donc vous voyez qu'on arrête la stimulation ici, mais la réponse continue. Le réflexe médulaire et polysynaptique, je parle le réflexe myotatique et monosynaptique, mais ce réflexe qu'on est en train de l'expliquer, c'est un réflexe polysynaptique, parce que
ça prend jusqu'à 0,6 millisecondes. Et ici, le temps de connexion synaptique entre deux neurones est de 0,5 millisecondes. Donc, ça va faire au moins 6 synapses. Donc, il y a aussi cette notion de diffusion de la réponse vers d'autres muscles s'explique d'une façon très simple parce qu'il y a des connexions médullaires très compliquées. Donc, vous avez par exemple une stimulation ici nociceptive. Qu'est-ce qui se passe? Donc, par voie afférente, il y a l'entrée de l'information. Attention, l'entrée de l'information va se faire dans un premier temps vers le muscle le plus concerné. Donc, le muscle le plus concerné, dans ce cas, c'est le fléchisseur, par exemple, le triceps sural. Donc, par un interneurone ici, donc il y a quelques interneurones, donc flexion. Mais attention, il y a une diffusion par des ramifications, c'est-à-dire par des collatérales de la voie afférente vers d'autres muscles du même type, c'est-à-dire fléchisseur. Donc, il y aura l'intervention synergique de plusieurs muscles pour avoir maximum d'amplitude de la réponse, c'est-à-dire pour soustraire le membre du danger. Donc, et bien sûr, suite à une stimulation très intense, on peut avoir même une réaction de l'ensemble du membre, mais attention avec extension du membre contralatéral, tout ça. Donc, c'est grâce à un circuit synaptique très compliqué, donc qui fait que le membre contralatéral à la stimulation donc fait l'extension alors que le membre homolatéral fait la flexion. Donc on n'a pas le temps de détailler tout ça ici, tout simplement de suivre ce schéma. Après je vais essayer de vous envoyer les diapos aujourd'hui, donc vous allez comprendre. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'organisation de ipsilatéral, bon, c'est ipsilatéral pourquoi? Parce que tout simplement suite à la stimulation, c'est toujours le membre stimulé qui donne la réaction, donc qui se contracte. C'est toujours ipsilatéral, c'est-à-dire du même côté de la stimulation. Mais parfois, il y a diffusion vers le côté contralatéral, mais avec d'autres réactions. Par exemple, pour l'être humain, c'est l'extension. Attention, ce n'est pas toujours valable pour les autres animaux. Donc, pour l'être humain, c'est l'extension. Ça dépend des espèces et l'évolution. Et est-ce que c'est un quadrupède ou bipède, c'est-à-dire marche sur les quatre pattes ou sur les deux pattes, sur deux pattes ou deux pieds comme l'être humain. L'organisation? Oui, c'est presque la même chose, sauf qu'il n'y a pas ici abduction, induction. Bon, il y a un mouvement vers le côté nasal et l'autre vers le côté temporal et ainsi de suite. Donc, c'est le même principe. C'est pas presque le même principe, mais. Donc, pour l'organisation anatomique de l'arc réflexe, donc, une voie afférente représentée par certains types de récepteurs nociceptifs, donc, qui sont dites les afférences du réflexe de flexion. Donc, les afférences, ce sont les fibres toujours A1 et même d'autres fibres de type. C'est les fibres C et delta, donc qui véhiculent la sensibilité nociceptive. Donc le centre, on a dit qu'il y a plusieurs synapses, puis le retour vers le muscle par le motoneurone alpha qui innerve les muscles, les fibres extrafusales qui se contractent suite à une excitation par l'intervention de la plaque motrice, génère d'un potentiel de plaque motrice, puis d'un potentiel d'action, et les phénomènes biochimiques de la contraction musculaire qui impliquent la myosine, l'actine, etc. Donc, vous pouvez revenir en première année. Donc, le rôle de ces réflexes, le rôle est net. Bon, c'est un rôle de protection contre un danger. Donc, c'est très simple. Donc, joue un rôle très important de protection. Et attention, une petite remarque, donc, c'est la même voie antérolatérale qui forme l'arc réflexe de retrait, c'est-à-dire les fibres qui véhiculent la sensibilité thermoalgésique vont faire connexion. Rappelez-vous, la dernière fois, on a parlé de cette voie
connexion avec le premier neurone au niveau médullaire qui croise et qui passe vers l'autre côté. Ici, c'est le schéma est fou. Hein? Donc, qui croise et passe vers l'autre côté. Même si c'est un livre de 700 pages, c'est fou. Donc, le deuxième neurone donc, passe vers l'autre côté et monte comme ça. Donc, six fibres, on fait connexion ici. Et en même temps, cette voie qui passe vers l'autre côté et monte, c'est la voie, les fibres de la voie spinothalamique, rappelez-vous la dernière fois, c'est le système antérolatéral. Donc, vous faites le réflexe, puis vous avez conscience de la douleur. C'est-à-dire, si vous touchez, par exemple, un objet très chaud, donc une stimulation douloureuse, donc il y a risque de brûlure, donc la stimulation passe au niveau médullaire et forme le réflexe de retrait, et puis l'information monte jusqu'au centre supérieur et vous avez conscience de cette stimulation douloureuse. Donc ça, c'est la même chose. Le rôle, c'est la protection. On passe maintenant au contrôle spinal du réflexe médullaire. Donc, contrôle spinal du réflexe médullaire. On commence par l'inhibition réciproque. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Donc, on passe au contrôle médullaire, spinal, des réflexes médullaires, ou si vous voulez, la même chose, contrôle spinal des réflexes médullaires. Donc, ce contrôle, c'est-à-dire les circuits au niveau qui contrôlent, qui peuvent influencer les réflexes au niveau médullaire. On commence par l'inhibition réciproque. C'est un système très connu. Donc, lorsque vous faites... Et on va parler de l'organe de Golgi après. Hein. Donc, c'est juste après. Donc, l'inhibition réciproque, c'est très simple. Donc, lorsque vous faites une contraction, par exemple, si vous voulez faire une séance de musculation du biceps, vous allez prendre l'haltère et vous faites des flexions comme ça, puis des extensions, un ensemble de flexions et extensions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours le biceps qui se contracte alors que le triceps qui se décontracte, c'est-à-dire se relâche. Et l'inverse, lorsque vous faites l'extension du membre, donc vous avez le contraire, le triceps qui se relâche, alors que le biceps qui se relâche et le triceps qui se contracte. Donc, tout ça, c'est grâce à certains circuits très simples. Donc, vous avez les afférences de la part du fuseau neuromusculaire. Donc, suite à l'étirement du muscle, vous avez qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'arc réflexe normal myotatique. Par exemple, si vous étirez votre muscle biceps, vous aurez une contraction. Vous pouvez le faire tout simplement en tapotant le tendon du biceps, là au niveau du coude. Donc, vous prenez un marteau réflexe et vous tapotez. Donc, le sang, il y a un problème de sang? Donc, je répète, si vous avez un problème de sang, vous pouvez me... Donc, je répète, donc, pour le contrôle spinal des réflexes médullaires, c'est très simple. Donc, c'est tout ce qui peut influencer les réflexes médullaires au niveau de la moelle épinière. Donc, de retrait ou le réflexe myotatique. Le premier contrôle, c'est l'inhibition réciproque. Il faut savoir que suite à un étirement des muscles, par exemple le biceps, lorsqu'on tapote avec un marteau réflexe ici au niveau du tendon du biceps, vous aurez l'étirement du muscle biceps brachial. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez l'arc réflexe myotatique normal qui est monosynaptique, des connexions directes. Donc, l'information part comme ça et puis revient par le motoneurone qui provoque la contraction du muscle biceps. Mais attention, à ce moment même, il y a ce qu'on appelle des collatérales des fibres afférentes 1-1. Donc, qui se connecte avec un interneurone qui est représenté en noir ici, donc qui se connecte avec le motoneurone alpha du muscle triceps, qui est un muscle antagoniste, c'est-à-dire qui fait le contraire du muscle biceps, donc agoniste-antagoniste, donc qui fait le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y aura inhibition de la contraction du muscle triceps, donc pour avoir la contraction du muscle biceps en même temps. Donc, ça va générer un mouvement harmonieux donc, du membre
en cas de flexion et extension du membre. Donc, et la même chose, le biceps, lorsqu'il est étiré, provoque la réflexe myotatique